William! William! Blaskowitz! Cherchez partout! Blaskowitz! Ton père ne rentrera pas ce soir. Il reste à Dallas pour le travail. Oh, pauvre petit. Il t'a vraiment amoché. Reste tranquille. Repose-toi. J'ai de la soupe et du porridge. Qu'est-ce que tu préférerais ? Allez, capitaine, choisissez pour moi. Anya, qu'y a-t-il ? Je le vois ! Caroline, par ici ! William ! T'es vraiment trop bête ! T'as vraiment cru qu'on allait te laisser ici ? Putain de merde ! Il a les tripes à l'air ! Vous les rouvrir ! Ah, c'est pas bon ! On le met dans l'hélico ! Doucement, doucement ! Je suis heureux d'avoir terminé le travail pour lequel on m'a envoyé sur Terre. Entouré de gens qui m'aiment. Aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je suis. Bon, Bate, on est sorti. Feu ! Oui, madame. Il se vide de son sang plus vite ! Une vague de chaleur m'envahit. Serviette ! On dirait que le ciel est en feu. Caroline, il meurt ! Appuyez ! Elle devient tout bleue ! Mon Bate, une civière dans le hangar, HPA 90. J'entends la faucheuse. Elle hurle mon nom. Blaskowitz. Salut, ma grande. Désolé de t'avoir fait attendre. Laisse-moi te montrer quelque chose, Billy. Mon père m'a demandé de donner ceci à mon fils. Si un jour j'en avais un. C'est une alliance. Elle est dans notre famille depuis 8 générations. Tu te rends compte, mon Billy? C'est ce qu'on appelle un bijou de famille. Quand tu rencontreras quelqu'un de spécial, tu la lui mettras au doigt. Cette bague est d'une grande valeur. Ne parle pas de l'anneau à ton père. Il n'est pas au courant. Tu le connais, il le prendrait sûrement. Novia ! Mère, suis-je acquitté ? Ai-je été juste et bon ? Assez bon pour être admis au paradis. Aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je souffre. Oh non, mère. C'est l'enfer qui m'attend. Tirez, tirez, Bombait. Je vais devoir couper la plus grande partie de ses intestins. Faites ce qu'il faut, cette pitié. Reste avec nous, Blaskowitz. Sors vainqueur de ce combat. Et alors je te promets, je te jure... Il est dans là. Faites venir quiconque peut donner du sang. Vite. Écoutez-moi. Toi et toi. Ramassez tout le monde et dites-leur de faire la queue à l'infirmerie. Bougez-vous. Il me faut de la lumière. Reste là sans un bruit. Zofia, il est là. Non. Dégage, Zofia. Il ne mérite pas ça. Tu le sais bien. Te fous pas de ma gueule. Je l'ai vu avec elle. Il est jeune. Il l'aime bien. Il ne comprend pas encore. Il sait parfaitement bien qu'il ne doit pas perdre son temps avec une putain de sale négresse. Je ne te laisserai plus faire de mal à mon fils. Plus jamais. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Oh, Zofia, je me décarcasse tous les jours. Je me fais grappiller ma thune à droite et à gauche. Je me fais humilier juste pour garder mes affaires à flot. Je les ai vus tous les deux, Zofia, bon sang, à se faire des papouilles sous le peuplier. C'est pas tolérable. J'ai travaillé beaucoup trop dur et bien trop longtemps pour perdre ma réputation parce que mon petit s'est amouraché d'une négresse. Rip, on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je cuisine, je nettoie, je m'occupe de l'étable et des champs. Tu n'es pas le seul à souffrir, Rip. Tu aurais dû mettre la clé sous la porte quand mon père te l'a dit.
On a des dettes énormes. 3 mois de retard pour l'électricité, sans parler du fait que tu as perdu tout l'argent que mon père avait investi. Tu joues avec le feu, Zofia. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis pas vraiment le genre de gars avec qui tu peux te la ramener. Et tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. J'ai épousé un homme qui n'aurait jamais laissé sa famille avoir faim. Je jure que je ne te laisserai plus jamais toucher un cheveu de mon fils. Ferme ton caquet ou c'est moi qui te le ferme. Plus jamais. C'est quoi votre problème à vous, les Juifs? Vous avez réponse à tout, hein? Quand je t'ai épousé, je pensais que ton père servirait de tremplin. Mais en fin de compte, t'es qu'un boulet. Tu colles dans ma paix politique. Si t'es pas capable d'élever notre fils, je vais vous changer. T'es tellement faible, ils vont te chercher des poux, ils vont te briser, ils te font bouffer de la terre. Et qu'est-ce que tu feras? Tu peux même pas te défendre, mais au moins je peux te montrer comment en finir avec ta vie. Chut. Respire doucement, Blaskowitz. Récupère tes forces. De grandes choses se préparent. Le vent va tourner. Le cercle de Kreisau se lève. Et j'aurai besoin de toi à mes côtés quand nous frapperons. Tu sens les coups de pied? T'es une gentille fifille. Oui, Bessie, t'es une gentille fifille. Tu peux gémir autant que tu veux, t'iras nulle part. Dans la vie, on prend des décisions difficiles. Et parfois, il faut punir les animaux qui nous entourent. C'est tuer ou être tué. Les vieux et les faibles sont condamnés. Toute cette racaille, ces ordures. Ces cancres-là qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dérober à l'homme blanc tout ce qu'il a gagné. C'est à nous de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est à toi. Le doigt sur la détente. Allez, comme ça. Et maintenant, tire. Souviens-toi, mon garçon. Tout ça finira mieux que ça n'a commencé. Qui c'est, ça? C'est moi? C'est moi, ça? Les vieux et les faibles sont condamnés. C'est vous. Prenez ça. Ils viennent pour vous. Et merde! Ils sont là! Ce sous-marin est à dos maintenant, sale nazi. Tu le reprendras pas.
Tiens bon, Anya. J'arrive. Drake. Monsieur Blazkowicz, je suis très heureux de vous voir réveillé, mais beaucoup moins Anya, de vous voir debout. Où est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Caroline en train de défendre l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Montrez-moi la direction, Seth. Ingle, vous savez que vous avez passé 5 mois alité. Votre corps est brisé. Vous comprenez? Vos reins ne fonctionnent plus. Vous allez avoir des problèmes pour uriner, utiliser votre schmeckel et pour plein d'autres choses. Moi, juste... C'est Frau Engel. Elle vous suit à la trace. Elle a remué ciel et terre et aujourd'hui, elle vous a trouvé. Les nazis sont entrés dans le sous-marin. Il y a beaucoup de blessés et de morts. J'ai été séparé des autres. Je dois y aller. Non. Non. Akmenishkan Kining, je vous ai dit non. Aidez-moi à trouver cet ascenseur. Vous n'êtes qu'un auction. Un vrai auction. Bon, écoutez. Il y a des tas de nazis entre ici et l'ascenseur, mais j'ai posé plusieurs pièges et je n'ai pas eu le temps de les activer. Regardez, c'est une carte qui indique où se trouvent les pièges. Utilisons-les contre ces vers 4 fascistes. Ok, ok, faites attention. S'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire tuer. C'est parti. Vous vous trompez. Ce n'est pas vous qui me traquez, Frau Engel. C'est plutôt moi qui vous traque. Caroline, où que tu sois, va jusqu'au bout pour garder les autres en vie jusqu'à ce que j'arrive.
Vous venez rejoindre dans la chambre également. Le général Engel est prêt à... C'est votre seule chance. C'est reparti, il dort la douleur. Essaie de trouver un moyen d'inverser le courant et rejoins l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Ok, courant inversé. Et c'est parti. William, j'ai prié pour que tu te réveilles. Je suis un fardeau. Ne sois pas idiot. Bon. Il faut te relever. Tu as pris beaucoup de poids? Seth pense qu'on aura des jumeaux. Pas maintenant, Kindler. Vous aurez le temps pour Schmutzerei si vous survivez. Pour l'instant, il faut vous emmener dehors, sur le pont. Allez, sur le pont. Attends, William. Jackson, Max! Jackson, tire! Tu tires bien, Max! Souris! Caroline. Böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Die da, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Das wäre eine Schande. Los, Wange halten! Das ist nicht mal eine Backpfanne wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, vor ihm, ne? Je vais la tirer dehors. Les gaffes. Je m'adresse aux terroristes et assassins. William Joseph Blaskowitz, qu'on appelle aussi Blasco le Marché. J'ai l'intention d'épargner la vie de tous ceux qui se trouvent sur votre navire si vous vous rendez. Les portes sont ouvertes. Venez seuls. Je suis demandé, on dirait. N'y va pas, William. Ils détiennent nos amis. Notre sous-marin est pris au piège. On ne peut rien faire. Vous avez raison.
Mais une fois là-haut, vous devez trouver un moyen de libérer le sous-marin. Je ne veux pas te perdre. Tu es faible, William. Tu n'es pas en état de te battre. Je trouverai un moyen. Tessa ! Arrête ! Tu comptes nous renverser avec ta petite chaise roulante ? Comme c'est amusant. Le cerveau de la résistance rampant comme une vermine. Blaskowitz, tu es réveillé? Oui, plus ou moins. Je suis venu te chercher. Comment sens-tu, Caroline? Je ne sais pas comment elle nous a trouvés. J'ai merdé quelque part. Elle est remontée jusqu'à nous. J'ai tout foutu en l'air.